inévitable. Cela dépendra grandement de son. Voilà, il est important. Regardez ce que j'ai pour vous. Oui. Connor! Ce souterrain vous mènera au district militaire. Et l'amiral? Il attend que vous allumiez le signal. Ensuite, il attaquera. Et nous serons là, nous aussi. Je l'ai en joue. Oh!
suis pas en état de me battre. Je dois rester à l'écart des gardes. Où es-tu, Charles ? Parti. Allons, tu ne penses pas sérieusement m'égaler, connard. Après ton entraînement, tu n'es qu'un gamin qui a encore tant à apprendre. Où est Lee ? En sécurité, il incarne la promesse d'un meilleur avenir. Le troupeau a besoin d'un berger. Lee a été exclu et condamné. Il ne pourra plus jamais revenir. Un simple revers. Il reviendra, crois-moi. Tu agis comme si tu avais le droit. Décréter que moi et les miens sommes nuisibles. Et pourtant, tout ce que je t'ai révélé, ce que j'ai fait et dit, devrait clairement te démontrer le contraire. Nous n'avons pas fait souffrir ton peuple. Nous avons œuvré pour que ce pays soit uni et en paix. Avec nous, tous seraient égaux. Promettent-ils autant ? Ils offrent la liberté. Et je te répète que c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Il n'y aura jamais de consensus parmi ceux dont tu as... Tu agis comme si tu avais le droit de juger. De décréter que... Et pourtant, tout ce que j'ai révélé, ce que j'ai fait et dit, devrait clairement te démontrer le contraire. Nous n'avons pas soutenu la couronne. Nous avons... Toi, et je te laisserai la vie. De belles paroles pour quelqu'un qui va mourir. Tu ne te portes pas. Même lorsque les tiens semblent triompher, nous nous relevons. Sais-tu pourquoi ? C'est parce que notre ordre puise sa force dans la réalité. Nous n'avons pas besoin de credo, ni d'être endoctrinés par des vieux fous. Il nous suffit de voir. Quel qu'il est. Voilà pourquoi les Templiers survivront à jamais.
t'attends pas à ce que je te caresse la joue en confessant mes erreurs. Je ne pleurerai pas. Je ne regretterai pas mes choix. Je sais que tu comprendras. Mais je suis fier de toi. En un sens. Tu as des convictions. Tu es fort. Tu es brave. Tu es un homme noble. J'aurais dû te tuer bien plus tôt. On a dit quoi hier, Agni? On a un problème. Etam n'est plus en possession de l'amulette. Pourtant, le temple envoie toujours des données. L'histoire ne s'arrête peut-être pas là. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mon père est mort. Et Charles Lee dirige l'ordre des Templiers à sa place. Je comprends désormais pourquoi notre guerre durera toujours. Chaque fois qu'un pion est éliminé, un autre prend sa place. C'est une danse sans fin. À travers le monde, à travers les âges. J'ai parfois l'impression que ma tâche est impossible. Mais je ne peux laisser le doute me gagner. Le peuple compte sur moi. Aujourd'hui, plus que jamais. Je dois arrêter les Templiers. Je dois tuer Charles Lee. Aujourd'hui rassemblés en souvenir d'un visionnaire qui voulait changer le monde et qui y est parvenu. Regardez autour de vous. Les Britanniques s'apprêtent à repartir. Leur esprit brisé. Leur force défaite. Et le gouvernement des Patriotes connaîtra bientôt le même sort. Il nous servira ou il périra. Et alors, mes amis, ce nouveau pays sera enfin à nous. Nous devons en remercier tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre cause. Mais surtout, Etam. Il ne cherchait pas seulement à sauver le peuple d'Amérique, non. Il voulait sauver ceux qui avaient juré notre père. Il voulait sauver les assassins. Oui. Et cette... Il m'a dit de partir. Ce jour-là, à Fort George. Il pensait que j'étais en danger. J'aurais dû rester. Il a dit qu'il ne courait aucun risque. Il se trompait. Je vais te tuer, Connor. J'en fais le serment. Mais pas ici. Pas aujourd'hui. Non. D'abord, je vais détruire ce qui t'est cher. Je vais réduire ton domaine en cendres et jeter les têtes décapitées de tes précieux pères fondateurs dans ces flammes. Et quand j'en aurai fini avec eux, j'incendierai tout le reste. Ta joyeuse bande d'assassins, les misérables qui vivent sur tes terres, ton village et ton peuple, tous disparaîtront.
Tu peux essayer, Charles. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais connu que l'échec. Mettez-le debout. Il attendra. Et il observera. Et lorsque j'aurai détruit l'œuvre de toute sa vie, alors je lui donnerai la permission de mourir. Emmenez-le. Il semble moins... Où est parti Charles Lee? Au port. Il doit prendre un bac.
Viens ici, espèce de lâche! Prends la pluie! Bien. Je pense que ces hommes correspondent à vos critères. Vous vous trompez. Ils sont faibles et souffrants. Nous voulons bâtir une armée, pas un hospice. Il faudrait des mois pour les rendre aptes au combat. Nous n'avons pas le temps. Non, par pitié, nous ferons tout ce que vous voudrez. Tout. Ne nous laissez pas moisir ici. Silence, chien. Vos marchandises sont inutilisables. Peut-être que nous devrions en parler dans ma cabine. Avoir déçu. Vous pouvez l'être, quand je pense qu'on a fait tout ce chemin pour rien. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous jeter à la mer. Inutile d'en venir là. Laissez-moi un peu de temps. Je fouillerai les autres bateaux, au besoin. Je suis sûr que certains prisonniers vous seront utiles. Très bien. Vous avez 2 jours. Merci. Présentez-vous à la taverne du Green Dragon à Boston avec vos recrues. Nous vous retrouverons là-bas avec notre maître. Entre des doigts.
messieurs. J'exige vos excuses. Tu n'as pas toute ta tête, petit ? Arrêtez ça ! Qu'est-ce que vous voulez ? Encore ? Tu te prends pour le chef ici ? De la ville, ce vendredi à la nuit tombante, au Blue Ball. Tous les membres de cette honorable fraternité. Tu veux traiter un peu de... Besoin de quelque chose, Trésor ? Non. Goujat ! Je peux vous aider ? Oui, tu le peux. Pardon ? Je n'aime pas perdre mon temps. Arrêtez ! Ne m'obligez pas à appeler les gardes ! Au moindre cri, je te tue. Qu'est-ce que vous voulez ? Il est au port, sur la longue jetée probablement. On a appris ce qui s'était passé au défilé. Charles est devenu nerveux. Il pense quitter le pays. Je trouvais qu'il s'affolait un peu. Apparemment pas. Oh. Merci.
Faites attention! Ce serait pas facile.
laisserai pas passer. Tu nous jettes à terre, nous nous relevons. Tu ruines un plan, nous en montons un autre. Tu t'acharnes, mais le résultat est le même. Ceux qui te connaissent te prennent pour un fou, au point que... ceux que tu as cherché à sauver te tournent désormais le dos. Pourtant tu te bats, tu résistes. Pourquoi ? Personne d'autre ne le fera. La nuit a été dure, on dirait. Il est parti dans les terres, sur un bac remontant la rivière Charles. Il faut que je le suive. Bien sûr. À votre service.
pourquoi ont-ils laissé ça ici? Nous attendions depuis longtemps ton retour. Tu as fait ce que nous demandions. Tu as réussi. Non, j'ai échoué. Mon peuple est parti. Chassé par ceux qui étaient censés les protéger. C'est un échange. Un sacrifice. Il n'est pas vain. Car tu l'as trouvé. Ceci ? Tu vas devoir la cacher. Place-la où personne n'ira la chercher, et le moment venu, plus tard, ce qui fut, sera, de nouveau. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ton rôle, car tu dois nous obéir. Ensuite, tu pourras vivre ta vie. Qu'adviendra-t-il de mon peuple ? Tu as sauvé cet endroit. C'était la finalité de ton peuple. Et c'est tout ce qui compte. Ça ne suffit pas. Ça ne suffira jamais. Tu recherches une chose qui n'existe pas. Mais tu as joué un rôle décisif. Et tu le feras de nouveau. Rappelle-toi, tu dois cacher l'amulette là où personne ne la trouvera. Je sais où est la clé. Alors allons-y.
Ok, il est temps d'entrer là-dedans. Non, pas encore. Il faut d'abord que l'endroit soit alimenté. Trouve les socles restants et installe les sources d'énergie. Je m'en occupe.